Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Porsche Macan. Nouveau, surtout par son moteur. Il perd son 3 litres 6 turbo au profit d'un 2 litres 9 biturbo. Ce moteur, on l'a déjà vu dans les Panamera et dans le Cayenne. Mais là, sur le Macan, il déboîte. On dénombre 440 chevaux, 550 Nm de couple. Le 0 à 100 est réalisé en 4 secondes 3, alors que la vitesse de pointe atteint 270 km/h. Bon, évidemment, pour tenir cette cavalerie, Porsche met les moyens. Le Macan Turbo dispose d'une traction intégrale, c'est-à-dire les 4 motrices, d'une boîte automatique PDK ultra rapide et réactive, et de freins ultra puissants. D'ailleurs, ces freins sont très spéciaux. Ils sont recouverts de carbure de tungstène. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, en même temps, peu importe. D'après le communiqué de presse, ça augmente leur réactivité et leur endurance. Bon, sinon au niveau du style de série, on a les jantes de 20 pouces. Évidemment, il y a tout ce qui est esthétique, des jupes, des spoilers et les rétroviseurs sport. À l'intérieur, on retrouve des sièges sport, un écran multimédia de 10,9 pouces. Mais le plus important pour les mélomanes, c'est une Sono de 665 watts. Bon, après, pour casser son PEA, Porsche en demande minimum 94 000 euros. Une version bien équipée montera largement au-dessus des 110 000 euros. 110 000 euros.